Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Mais nous pas perdre du temps, nous commencer. Cool, yeah. C'est de la responsabilité de l'exécutif là pour que les mettez camper sous pied. Et naturellement, pas conseil électoral provisoire encore. Exécutif ça qui est là, il était gain comme responsabilité pour que l'été mette institution au campé sous pied. Qu'il s'agisse de la Cour constitutionnelle, qu'il s'agisse de conseil électoral permanent qui était supposé monter, mais malheureusement, et depuis 1986, nous continuons dans des autres noyaux, qui fait que jusqu'à présent, il y a parlé encore de conseil électoral provisoire. Mais conseil électoral qui doit monter là, et lui doit monter en fonction de consensus qu'il est capable de joindre, en fonction de sa constitution, on dit. Et lui doit gagner des mondes que le monde n'a pas confiance. Et nous-mêmes, dans RDNP, nous n'avons pas gagné information sur qui type de monde. Est-ce que c'est des mondes qui, que la société a, est capable de compter sur eux et qui pour retirer Haïti dans tout côté lié, qui pour permettre que gagne des élections libre, honnête, démocratique et transparente, qui fait dans des conditions et acceptables, potables, eh bien, et c'est de la responsabilité de l'exécutif là pour que l'imité campé sous pied institution. Objectif de toute partie politique, c'est la prise du pouvoir. Et nous choisis depuis après 1986 un régime démocratique. Nous avons le droit de choisir n'importe quel autre régime, anarchie, nous faisons expérience de dictature déjà, et nous avons le droit de choisir noblesse, aristocratie. Mais nous choisissons la démocratie. Et la démocratie a les gagnés, réglés. Et un point qui gagne dans la démocratie, c'est que pour arriver sous pouvoir, c'est via les élections. Et c'est l'alternance des partis politique. Donc si c'est via les élections, donc si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, si c'est pas demain, c'est après-demain, mais de toutes les façons, il faut que yo organiser les élections. Alliance électorale, c'est toujours un bon bagaille au moment opportun et nation au courant et qui type d'alliance électorale que n'a fait. Mais il est déjà clair pour nous et RDNP qui c'est un parti politique qui respecte cette loi, nous pas en alliance avec aucun monde qui n'a drogue, nous pas en alliance avec aucun monde qui n'a crasé, brisé, fait ça terroriste. Nous-mêmes, nous assurons que toute alliance que nous sommes capables de faire au point de vue électoral, c'est alliance avec des collègues politiques qui gagnent et qui ouaient Haïti comme intérêt par eux. Il n'y a pas de travail qui peut faire. Cerveau, il faut reprogrammer le cerveau de mon sayo. Le monde combat en pile pour route là. La. Tout côté, messieurs, et moi, c'est le grand femme dans le temps, messieurs. Nous, dans le travail public, nous, Kaitoto, nous, tout côté. Et nous, travaillons là, mais nous, redis en pile. Mais je dis là, moi, ouais, yon l'autre espoir. Mais espoir, ça, moi, là, moi, dit, ministre Kadè, ensemble avec le président Jovenel, merci pour ça que fait là. Nous dit merci pour le commencement. Parce que moi, pour moi, c'est le commencement parce que, vous n'avez pas encore fin bail. Nous sommes vraiment, vraiment nos nécessités parce que, boy, c'est là, les gens mourir, c'est dans la main pour porter. Pourquoi bien prendre en bas? Les gens malades, c'est dans la main pour y porter. Les pieds sont cassés dans le bras sont cassés. Mais quand y a là, ils sont l'autre espoir, ils sont l'autre bagaille. Si la trace route nous avons là, c'est cabrit, bœuf qui est passé là-dedans. Presque pas de route même pour piéton. Mais quand y a, c'est l'autre bagaille. Nous disons merci et même, le ministre a commencé avec nous. Population qui est ensemble avec elle, qui commence avec nous, c'est lui-même pour continuer ensemble avec nous, pour finir ensemble avec elle. Parce que route là commence là, pour qu'on finisse, parce qu'il y a un pile côté là pour qu'on dresse. Comme, servante l'an tap dit, nous avons un problème de l'eau. Bon, pour problème courant, parce que c'est pour tout n'importe quoi cela. Nous avons un problème, un pile problème là-bas ici, pour machine monter, pour moto monter, un pile trajet. Maintenant, aide-nous, support-nous.
même nous commencer à pour nous aider pour tout pareil au fin réaliser. Hier soir là, jodi an et de très bonne heure, magistrat a été relé moi. Nous avons constaté, nous avons constaté des dégâts de l'eau en fait. Et jodi an, moi-même avec magistrat dans la rue, on a fait tout ça en capable pour nous et porter un soulagement à la population. Non, en premier temps, on a levé tout débris. Et puis ensuite, nous allons chiter pour nous garder exactement qui ça a fait pour essayer d'éviter pour ça, pour continuer encore, pour faire encore. Solution qu'on c'est à court terme, c'est lever. Et ensuite, magistrat avec équipe, il va chita pour regarder exactement ce qui s'est fait pour permettre que ça aille pour ne pas gagner encore dans la rue. Si on a regardé Nicolas, Riel Camo, Fleury Batier, Grand Rui, Matissan, et toute zone, c'est une autre zone qu'il faut faire là, et puis c'est pour ça qu'il y a un pile de blés qui descendent sur eux. Mais nous-mêmes, nous mettons tête ensemble parce que je pense que depuis longtemps, l'État a besoin d'une synergie pareille. Côté que tout le monde dans l'État est capable de mettre tête ensemble pour faire un seul travail pour chaque nègre travail pour tête. Et je dis c'est ça qui a montré que moi-même, et magistrat Gary et puis CNE qui est ensemble avec nous, nous avons regardé comment nous sommes capables d'arranger nous pour nous propter l'arrière. Je dis à vous arriver là où est l'arrière comme ça. Mais si vous avez passé la bonne zone 2-3 heures du matin, pas de aucun moyen du tout pour gagner circulation. Très difficile. Et nous même passé nous dans la rue depuis à 11h du soir. Depuis la vie a tombé avant nous de quand empêcher Kaimonio et prendre bio. Il y a un plan. C'est pas mon plan jeune pas d'avoir une délégation de l'Ouest. Première fois nous avons un délégué départemental intégré dans affaires sociales comme ça. Côté que mon lap fin tombé depuis hier délégué à travail. Première fois nous avons des magistrats qui rentrent d'emblée qui descendent à terre. Qui viennent supporter la communauté côté qu'elle a dirigé. Et même j'en trouve pour CNE, son mariage qui fait pour nous comment capable, qui support que nous capable porter by peuple nous, famille nous, peuple haïtien même. Parce que, bonjour, vous ne parlez de monde. Monde, nous sommes en peine nous là, nous lever nos jeunes monde comme ça. C'est ça que fait journée aujourd'hui à Wegon. Alliance qui fait, délégation, mairie, CNE, voile de travaux publics. Pour nous capables de chiter en atelier, pour nous capables de dire, eh bien, qui solution nous capables de porter, qui amélioration en attendant nous capables de porter, pour moi, ça, Jean qui est lié à là, parce que tout problème dans sans l'air, nous sommes en l'air, depuis que nous sommes bloqués en l'air, et puis nous sommes descendus. Eh bien, c'est dans ce sens qu'il faut que toute équipe ça, à chiter ensemble, il y a travail ensemble pour qui amélioration qui est capable de porter. Mais nous ne pouvons pas parler de solutions. Pour nous parler de solutions, c'est camper pour avoir l'État qui est fort, pour dire en l'air, pas construire encore. Moun ki te gen kay an lè yo, en attendant n'ap gade pou nou ki kote ki n kapab boye yo pou n kapab préparer en lè. Parce que l'autre comment te gen nou an lè, tout vert. Jounen jodi a comment nouvel, tout blanche. Et bien c'est dans sens ça ouais des jeunes garçons
que l'État, le président de la République, a fait choix de vous, capable de mettre actuellement là, souterrain là, pour capable réfléchir, à analyser et puis pour capable porter amélioration en attendant pour solution capable de venir après. Et nous, là, matin, c'est suite à la pluie tombée hier soir qui remplit les dégâts dans la zone. Nous avons regardé, nous sommes capables depuis Piro Wesleyan jusqu'à Titus, là, en pile la Légion, nous sommes sur la route là, c'est nous avons presque capable de dégager la chaussée pour nous barrer le passage. Bon, depuis à 4h, nous sommes dans la rue. Et pas là seulement, nous avons un problème. Nous avons un problème dans le niveau Matissan. Nous avons un problème dans le niveau Ricamo, que nous avons. Flotte qui a fait opération là pour nous bailler passage dans la rue. La rue a son solution en aval, mais en amont c'est canal pour nous curer constamment. Mais vu le problème moyen nous gagne, nous curer, mais nous pas arriver faire ça à temps. Nous en a sollicité plus moyen pour nous capable prendre canal à temps pour empêcher que ça arrive à l'avenir. Pour chaque temps c'est dans des congestionner route pour nous. Mieux vaut que nous fassions. Depuis le canal, là, nous prenons ces sédiments au lieu qu'il y a envahi la chaussée. Mais ça a demandé un pile moyen, un pile excavatrice, camion, carburant, lubrifiant et tout ça, on a besoin pour nous capables de faire le travail qui est normalement, ça doit être fait. Avant midi, on a arrivé à décongestionner toute zone yo, parce que ce n'est pas le service d'entretien seulement qui a agi là. Dans le moment, nous avons aidé au cabinet à renforcer nous. Et nous avons un CN et tout qui peut mettre un cabinet renforcé nous là dans les prochaines minutes. Parce que si vous venez, avant midi, nous avons décongestionné la rue totalement. Dans la minute, je parle à vous là, j'ai un loader avec un Bob Katavem là. J'ai un loader avec un pelle excavatrice dans Matissan. J'ai un Bob Katavem avec un Bako dans Ricamo. C'est côté ça qui est grave en attendant, nous avons un travail comme ça. C'est nous deux accidentants, Belloun, avec moi-même comme papa. Moi, le père, il est tambouré dans l'école nationale des arts. Et puis, pendant que nous accidentants, lui-même, il faut se coucher, il a l'école. Mais il est relevé, pendant que nous accidentants, m'a regardé. M'a fait un WhatsApp, moi, m'a regardé ça, mon voix, bon, moi, ça a écrit. Et puis, il est levé, il dit, papa, je me sens que tu es tremblé. Je dis, bah, quoi ça, non? Il m'a dit, bon, il y a un problème. Il y a un problème. Je suis tendu pour compte moi, lui-même ni couché, la pluie a tombé, et puis je me suis une cigarette. Je me dis, ah bon, je vais prendre une serviette, mettre sous tête, je courir à ton partenaire, je me dis, partenaire, vend mon petit alcool. Je me dis, monsieur, bon, je vais vite, parce que je suis petit mec père en dedans. Et puis, c'est comme ça tout. Il fait une bonne rapide, je me tourne. Je me tourne, je me chita. Et puis, madame la vient paraître, la prépare et profite en série. Vous mettez non bon pour le couvrir demain matin pour le fond gelé, bah écoute pour le blender. Et puis c'est comme ça tout. Et puis ça, petit bras fait crêpe. Il dit ça gagne là. Et puis même quand il dit ça gagne là, celui-ci fait bras carré. Blo, son seul réflexe qu'on aime faire, il dit Belloun. Pendant que je dis Belloun, Belloun, tout bon vision, tout volé, puis près de toi là, tombé directement côté le tap dormi, à tout pied bois. Puisqu'à présent, mes pieds bois devant là, bon, qu'à filmer, le carrel. Vous comprenez? Que, bon Dieu bénis nous, bon. Mais nous sauver, nous tous les trois nous sauver, c'est qu'à la craser. C'est nous tous les trois qui t'endors? Nous tous les trois. Maman était devant là, il t'a propre tes moi-même avec elle, lui-même ni couché, même si t'as son chaise. Et puis, ma. Mais pas vous dire, ma chatte, parce que je suis chaté grand monde. Je vais regarder ça que vous voyez, bon, moi, ça que vous crie. Pour me lire parce que vous connaissez dans la map jouer, m'a regardé sous groupe là, qui ça vous dit, bon, c'était fête à nous, moi-même m'a écrit, bonne fête avec à nous tous, à nous l'autre, lui était plus nous là, en plus c'est comme ça tout, m'a allé à mes pieds. Bon, c'est le dernier réflexe, moi-même, je me dis Belloun seulement, puis le coup il sorti, on fracturé quand même, mais pas c'est tellement grave.
Que bon Dieu bénisse nous tous les trois sauvés. Eh bien, là, pas dans la pluie, elle t'a tombé, mais je me suis dans un homme, je suis devant côté de maman, non? Et puis elle est venue là, quand elle m'a monté à couper à ta, mais belle, elle était capable de dormir, elle était devant. Et puis quand elle m'a plavé un petit série, c'est pas de ma plavé, elle m'a dit quoi, oh, mais c'est là, pas de pas de courant, et puis elle m'a entendu de l'eau passer dans la ville, et puis elle m'a vidé dans la ville, non? Et pas de la vidé quand elle là. Et puis après, je m'a entendu de bagaille cap. Kake kap vini, lem bay la kake, pi mte bag la fe pol, pi te bwili ti fifi, epi rele e beloun, epi lem te mte bay la vide, pi mou koun bay la, epi nou gade nou ese boa, bide sou kay la. Nou ese pie boa ki kouvri kay la? Ki kouvri kay la. Men nou estime deja, e sa nou gen kom pia, tout sa? Bon, mba kapab, pase sa kre sa bagi mwa yon dot. Son pe bwa ki de nan la, de ratoun nan la, men li pa sou bo pa nou nan. Jus li de an li men, li pa se pon an poch nan kenep la. Nan li bla yi sou ni kaye pam nan, ni kaye pa kouzin man ki nan bwa. Men pam nan li men ki fel pa pon plus domaj. Paske nou gen misa la, e zi pa nou an blok li men. E zi pa kouzin man li men, li san bwa li li men. E pa son chel ten li men, ki fel pa nou. Ki fel pa la men kazinet li men. E zi pa nou e selman e... Et là, tu là, qui va avec ton pété, puis avec bon mission à pété, qui fait nous même pas nous partir, nous même nous pas partir. Nous nous sauver de justesse parce que justement, direct net en coucher, bon, tellement dans des bruits, bon, pour élever. Mais j'aime tant des bruits, dans le fort, même pas penser si c'est épée bois tombé, si c'est épée bois tombé, pas si c'est épée qui n'est pas là. Il aime sortir, moi, son épée bois par le bois, puis non, qui tombe, il y a qui. Jusqu'à date, et à l'approche de la naissance de Jean-Jacques Dessalines, jusqu'à date, il y a 214 ans depuis qu'il a été assassiné. Chaque jour, il y a parlé de prouesse Jean-Jacques Dessalines, mais site qui portait non lieu manquait exposé. En particulier, lycée Jean-Jacques Dessalines. Lycée Jean-Jacques Dessalines, depuis après 12 janvier 2010, il y a confronté avec une grosse situation, côté que l'y exposé avec Charlotte Olio, professeur, élève, il n'y a pas senti dans le bien côté y'a travail en bas Charlotte Olio, il n'y a pas senti bien du tout. Jusqu'à présent, il y a des bagailles qui sont en cours, nous pouvons décider, parce que, via avec conjoncture au pays, nous pouvons capable de décider en rien, mais Vincent Tremblant lui-même, il est toujours au cœur de tout le monde, et tout le monde net qui prépare pour faire activité en l'honneur de Jean-Jacques Dessalines qui s'est empereur là, a rappelé bien que 12 janvier 2010 et 12 janvier 2020, ça fait déjà 10 ans depuis que le lycée Jean-Jacques Dessalines lui-même n'est écrasé. Côté que nous vivons dans une situation, côté apprentissage là lui-même n'est pas réuni du tout, et nous travaillons dans un hangar. Le lycée Jean-Jacques Dessalines, lui doit construire selon les normes. Et en signe symbolique pour justice t'es capable de faire pour père de la nation qui c'est Jean-Jacques Dessalines. À noter que pour empereur Jean-Jacques Dessalines, nous t'as supposé faire un travail de grandiose, un travail qui belle en pile et une activité qui digne de non-lit, mais à cause de fonds qui pas trop réunis et avec situation socio-politique mélangée avec troubles scolaires, nous pas qu'on a fait en rien pour nous commémorer non et Jean-Jacques Dessalines, non. Mais n'a pas tiré sonnette d'alarme encore une fois avec autorité compétente yo pour nous dire 12 janvier 2010 12 janvier 2012 ça fait 10 ans depuis lycée Jean-Jacques Dessalines il a travaillé dans une situation infrahumaine côté que il t'a supposé aider nous construire lycée Jean-Jacques Dessalines pour nous être capable de sortir dans situation ça côté que lycée a lui-même ni de construire avec standard international yo selon les normes et les critères pour un bon lycée et pour un espace qui est capable de parler de site touristique site côté que yo parle yo mette nom Jean-Jacques Dessalines sou yo doit gagner lycée Jean-Jacques Dessalines en référence et à noter bien que n'a rappelé éducation moun ki responsable éducation yo doit prendre ça en charge les a parlé de
yon lycée, lycée Jean-Jacques Dessalines, doit référence non seulement pour Haïti et pour Caraïbes là. Parce que de vous parler de événements, de parler de esclavage, yon seul monde, c'est Jean-Jacques Dessalines. Et mais pour cela, doit gagner un lycée qui pote non. Déjà, nous gagnons lycée Jean-Jacques Dessalines, yon doit retirer li dans situation en garça, dans situation infrahumaine ça, pour yon porter li, pour yon exposer li, comme tout le monde doit connaître li doué pour jusqu'à présent. C'est chantier que nous avons visité. Premier chantier, c'était lycée Marie-Jeanne. Deuxième, c'était lycée des jeunes filles. Alors, il faut me dire que l'ambassade du Japon, à travers le CAER, c'est lui-même qui finançait la construction des deux lycées. Et il finançait tout la construction de trois bâtiments, dans 23 bâtiments que nous avons bien pour nous construire sur le terrain ça que nous avons visité là. Mais moi-même, j'étais très satisfait de l'avancement des deux chantiers, des deux premiers chantiers de ce matin. Les deux lycées, moi, ouais, y a tous les deux, il y en a 15%, l'autre là, 20%. Je pensais que le lycée y a marché. Et dans le président de la République là, m'a dit nous merci parce que nous venons. Et m'a dit ambassade Japon, merci tout. Je vous prie de transmettre mes remerciements à votre gouvernement parce que c'est un partenaire de choix, l'ambassade du Japon à Port-au-Prince. Alors là maintenant, et merci beaucoup et pour non seulement les deux lycées qu'on est en train de construire, ce sera deux lycées de référence. Et là maintenant, pour les trois premiers bâtiments, c'est encore l'ambassade du Japon qui a commencé. Et pour les 20 autres, c'est déjà, le financement est déjà disponible à travers l'ONA et grâce au support de la ministre des Affaires sociales. Je vous dis, nous venons dans le concret, nous venons sous chantier, nous venons dans le démarrage effectif du travail. Firme sous place avec nous là, plan yo là, nous sommes montrés, nous filmons. Il y a des détails qui sont sous bail, sous plan. Donc, nous-mêmes, nous là tout, et DG EPPLS, qui a fait le dossier au quotidien. Donc, si vous avez un petit détail pointu, que nous avons gagné sous question, DG EPPLS là toujours capable de nous. Moi-même, pas quoi besoin de répéter encore que là, sous chantier ça, nous sous 7 hectares de terre, nous gagnons 690 donc, appartements qui ont construit pour les policiers. Donc avant c'était 600, mais avec appui, accompagnement financier dans le cadre de coopération nous développons avec le Japon, nous sommes capables d'ajouter 90 appartements. Donc ça veut dire que nous avons 690 familles policiers que nous sommes capables d'accueillir dans le village. Et tout à l'heure, nous avons fait la présentation,
nous te prenons la peine pour nous attirer attention tout le monde. Pour nous dire que ce n'est pas un dortoir, son village. Et son village avec modernité. Parce que sous plan de Gadea, nous voyons que nous prévoyons des espaces verts. Ça veut dire que sur l'environnement, lit de rigueur, lit de mise dans le projet. Nous voyons que nous avons une place publique, un espace collectif, espace de jeu. Et même des places, espaces qui sont réservés comme espace commercial. Ça veut dire que là, aux policiers, avec famille, dans un village, ça. Donc, il y a des services que l'on a besoin sur place. Donc, il n'y a pas besoin de déplacer à loin pour certaines catégories donc, de biens et de services. Et surtout, espace collectif, yo, espace de récréatif, yo, qui est très important pour nous dans un village comme ça. Pour les deux lycées qui sont financés par l'ambassade du Japon à travers le gouvernement du Japon, à travers le Doka Air, c'est le lycée Marie-Jeanne et le lycée des jeunes filles, respectivement 214 millions et 129 millions de gourdes, qui peut travailler et a réalisé par deux firmes, Execo et Ribe Group, qui a supervisé. Il y a respectivement 20 et 15% pour me répéter effectivement les mots du Premier ministre. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes visités là. Tu continues dans la question du lycée Marie-Jeanne, n'a que besoin pour t'y un éclairage sur lui-même, c'est que par rapport à l'auditorium, BMPAD est d'accord pour un financement japonais par rapport à s'il s'agit de réhabilitation, du moins sur reconstruction. Étudiants en cours, là, nous lançons le thème de référence déjà. Nous pourrons lancer au marché sur question d'études pour réhabiliter. Études structurelles, comment nous allons lancer là. Une fois le résultat au fin de tomber, nous avons firme à travers études là, marché à lancer, qui obtenu marché, hein, qui permettent que nous gagnions pour études là, c'est bien pas de cap financier, mais réhabilitation, résultat au cap stagé, si réhabilitation ou du moins c'est construction, le Japon guettant à entendre avec le BMPAD pour être capable de financer, parce que pour le lycée de Marie-Jeanne, c'était construction de lycéa dans toutes ses composantes, et auditorium et lycéa en soi. Nous sommes très contents que le Premier ministre soit avec nous aujourd'hui hein, dans deux premiers lycéos que nous avons visités, hein, parce que nous-mêmes au niveau du BMPAD, nous toujours gagnons un œil vigilant sur le travail là. Nous sommes contents que le Premier ministre lui-même est venu pour superviser l'avancement de travaux. Et je pense que lui répéter que très satisfait, nous-mêmes tout nous satisfaits. Le travail a duré 18 mois pour s'agissant du lycée des jeunes filles. Et le lycée Marie-Jeanne, c'est 12 mois, qui prend un mois en plus dans le cadre de questions d'auditorium. Je pense que c'est un très bon travail. Moi-même, je m'applaudis chaudement l'effort que le gouvernement de la République, le président de la République là, et le Premier ministre ont fait. De même que le ministre des Affaires sociales là, et le DG de PLS, puis sont capables de mettre à disposition policiers nationaux là, de police nationale là, de bâtiments modernes, donc construction au village extraordinaire, qui répondent aux normes de toute qualité, qui a bien toute facilitation là-dedans, moins ouais, place publique, moins ouais, terrain de jeu, moins ouais, espace vert, moins ouais, ces deux bâtiments qui répondent aux normes. Nous avons remercié l'ambassade du Japon qui finalement a pu ajouter trois autres bâtiments dans 20 bâtiments que le gouvernement a été engagé pour faire pour la police là. Et nous avons un très bon bagage, ça a créé un pile espoir là, caille policier nous. Et finalement, nous croyons que dans les prochains mois, c'est en réalité que nous n'avons pas le vivre, côté que les policiers ont gagné de logements qui sont propres à eux-mêmes, que le gouvernement a mis à disposition. Le Premier ministre, nous devons remercier publiquement pour l'effort ça. Et à travers eux-mêmes, ou à transmettre à la présidence publique là, remerciement BMPAD, parce qu'il y a trois bâtiments qui sont financés par le Japon, l'ambassade du Japon en Haïti, mais c'est à travers le don KR qui est géré par le BMPAD. C'est 690 appartements qui ont construit là pour les policiers. Et nous avons 600 avec appui, aide financière de l'ambassade du Japon. Et nous construisons trois nouveaux bâtiments encore. Et comme son promesse, président de la République là, depuis campagne, il te dit
si nous sommes président, policiers, infirmiers, enseignants, il faut permettre un logement décent. Et là, je dis à côté de l'UEA, c'est matérialisation pour M. le président, qui là, nous avons appartement de deux chambres à coucher, salon, salle à manger, cuisine, balcon. Et nous disons village moderne, qui a tout ça, nous avons besoin pour vivre bien. D'abord, nous avons un système additionnel d'eau potable, un réservoir surélevé qui peut mettre tout bien l'eau dans tout appartement, même dans le dernier niveau, cinquième niveau pour la gravitation. Nous avons une plante électrique, nous avons un traitement d'eau usée, nous avons un espace vert comme le ministre du Premier ministre dit ça, nous avons un terrain multisport, nous avons un espace commercial, nous avons un dispensaire, nous avons un parking pour chaque appartement. Et après pas qu'il nous visite, et nous dit c'est une révolution que gouvernement, président, premier ministre là fait une affaire logement en Haïti à partir des villages modernes ça. Quand ça nous est aujourd'hui là, c'est une phase, son programme président de la République, gouvernement Moïse Jutlaguen pour fonctionnaires publics, policiers, enseignants, infirmières, ça est la première phase là. Mais il y a l'autre terrain encore qui nous va construire, nous avons un bon chalom là. Qui est 600 appartements. Nous avons terrain sous piste, terrain l'aviation, qui nous a un bon fil. Nous allons construire là environ plus que 1000 appartements. Et c'est à travers tout le pays, à 10 départements, nous avons un programme ça pour construction de logements abordables. L'on dit logement abordable, son logement qui a coûté à bon prix, bon marché. Un logement qui a coûté 40 à 50 000 dollars, policier à Valguen, entre 16 à 17 000 dollars. Et ça, quand on dit, c'est logement abordable. Alors, je dis à là, et ce travail qui démarre, comme nous tous le voyons, le travail qui démarre, et au fur et à mesure, la première vitesse de croisière, parce que le système qui a fait là, toute équipe et forme qui a préparé la construction, c'est forme prédimensionnée, préfabriquée, qui a construit aux États-Unis. Qui a bien pu rentrer entre 4 à 6 semaines, et puis laisse ça pour nous, chaque jour, à bon niveau qui a monté. C'est-à-dire, un building qui a 5 niveaux, c'est dans 5 jours building qui a campé. Alors vraiment, comme nous disons, son révolution a fait et dans le domaine logement, dans l'immobilier en Haïti, que le gouvernement, l'administration Moïse Jutla a duré à ces 10 mois. Avec l'aide du Japon, nous avons 179 millions de plus que le gouvernement japonais, à travers l'ambassade Japon en Haïti, a mis à disposition pour 3 lots de buildings qui ont 90 appartements. Je suis très heureux d'avoir visité deux lycées. C'est le lycée de Marie-Jeanne et puis de Saint-Cantonaire. Ce sont des écoles pour les filles, jeunes filles. Donc l'éducation pour les filles est très importante pour le développement en Haïti. Et puis donc améliorer la condition féminine dans la société haïtienne. Donc c'est pour ça que le Japon, le Mossad du Japon a décidé de décaisser pour ce deux projets. Puis donc, je suis très content d'avoir vu, vous voyez, le travail, ça marche bien. Et puis donc, ça ici, c'est le projet de logement policier. Donc, je voudrais profiter de cette occasion pour saluer tous les policiers, vous voyez, agents de policiers, qui travaillent pour sécuriser. Pourtant, vous voyez, pour la sécuriser, puis sécurisation, c'est un préalable indispensable pour le développement du pays. Et puis, donc, peut-être l'année prochaine, ça, je ne sais pas, je ne suis pas au courant le détail, mais il y aura une élection, et puis, donc, l'année prochaine. Donc, la sécurisation est très important pour le bon déroulement des élections. Voyez, c'est très important pour la démocratie et puis le respect des droits de l'homme et puis donc la lutte contre l'impunité. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de décaisser pour ce projet. Ça c'est pour l'amélioration des conditions de travaux des policiers. Je crois que c'est très important. Vu conférence de presse, jeudi. Hein? C'est pour demander fantôme 509 qui est lié. Et nous remarquer fantôme 509 honnête. Ça que fait nous dire honnête,
à chaque fois il dit la fait une action, il fait le vrai. Il dit la boule machine, il boule. Il dit la rentrer dans l'édifice l'état, il fait. Photom 609. Nous même en tant que juriste, n'a demandé ou est-ce que c'est ou même qui messie a? Est-ce que c'est ou même qui a venu tirer peuple là dans cocorat lié a? Est-ce que c'est ou même qui vient préparer KEPA pour élection pour le fait là? Parce que moi ouais ou plein droit ou gain force ne pas ignorer ça parce que premier ministre lui-même coubé devant Fantôme 609 nous pas dit pour le faire affrontement non mais façon de parler il démontre Fantôme 609 son grand pouvoir. Nous descendons chapeau devant Fantôme 609 et n'a pas de réponse sur toute question nous poser pour ça faire insécurité a qui vraiment grave insécurité a pour te mettre d'Orval aller mais en pile problème, en pile moute descend, en pile petit parole en pile pour joindre qui est-ce qui auteur crime. Mais et que nous gain madame Derotti li prêté du doigt sous Martine Moïse, madame président, c'est pas une mince affaire. De tuer pour conviction. C'est moi qui te lagué voice avant. Oui, je n'ai pas de papier dans même que la parole est toujours écrit. Mais est-ce que vous pouvez mettre là? Je ne peux pas bailler. Faut marrer mon. Faut que mon tête soit là avant. Et pour aller gagner, elle va y avoir. Enquête la presse qui a abouti. Aujourd'hui, l'en garder situation pays ça, frère Semyo, pas de droit à mon qui respecte même. Nous croyons que l'on pays. Côté gain justice, côté moun respecte moun, c'est pas comme ça on paye marché. De là étant, nous-mêmes qui a fait enquête sur question insécurité dans le pays ça, dans dernière semaine ça, d'après enquête nous menons nous jeunes environ, n'est-ce pas, 20 à 30 policiers mourir. Mais Maître Doval mourir. Libérer justice. Justice, c'est pour tout le monde. Parce que la loi, c'est pour tous. Et bien, pas de monde qui est au-dessous de la loi. Nous croyons que un pays qui gagne justice, c'est un pays qui allait à l'avance. Et nous demandons, président PIA, la justice prend responsabilité. Nous, un pays par contre marcher sous impunité. Nous demandons la population, le secteur privé, la jeunesse, prend responsabilité nous, parce que, journée aujourd'hui, là, nous n'avons pas rien comme recours. Nous-mêmes, en tant que monde qui a fait droit, qui a respecté droit monde, Haïti n'a pas rien qui respecte rien comme droit monde. Eh bien, nous demandons toute force vivante, secteur privé encore, l'État, écoliers, étudiants, ouvriers, marchands, faut respecter droit moun sa yo. Yo même j'ai avec moun qui gagne l'argent. Si on paye moun pas respecter moun, comment pour le marché? N'a félicité énergie avec volonté qui manifestait kay président avec PM Jout pour mener pays ça sous chemin élection. Nous même raspa tellement constaté volonté PM avec président gagné, yo fait appel à tout secteur qui dans matrice population pour yo proposer un monde par secteur dans palais national pour composer conseil électoral provisoire. C'est peut-être ça. Nous même raspa qui se rassemblement secteur populaire te proposer citoyen Johnny Mezilis comme membre conseil électoral provisoire. C'est pour raison ça raspa bat bravo pour PM Jout qui dit nan jou ça nan jou k'ap vini là yo pral publier liste conseil électoral là raspa espéré Johnny Mezilis a plan tête liste là comme nous wè insécurité a taillé banda
visible. Après, il y a des bandes dans tous les quatre coins du pays. L'insécurité, c'est une insécurité visible et politique. Nous demandons à toute institution qui a sous affaire sécurité en cours, CSPN, le ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, sécurité publique et OPC, prend toute décision pour freiner la machine insécurité ça. Pour qu'il y ait une bonne élection crédible et démocratique, parce que l'élection c'est le chemin de développement dans un pays démocratique. Nous demandons à PM Jout pour le chita et les policiers qui ont manifesté dans l'ARIA chaque jour pour demander bon genre traitement dans l'institution policière. Confirmé pour auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et Radio-Télé Guinée que aujourd'hui, dans le niveau commandement et la police nationale, il y a un changement et plus précisément dans la direction centrale de la police administrative. Il y a un inspecteur général, Mario Aubergiste, qui était occupé fonction ça depuis environ un an. Et commandement la police là estimé qu'il était nécessaire pour te faire appel à lui pour t'occuper l'autre fonction. Et c'est comme ça qu'il est remplacé aujourd'hui par commissaire divisionnaire Berson Soljour. Vous avez dit commissaire Soljour vient le nouveau DCPA. Commissaire Berson Soljour vient actuel directeur central de la police administrative DCPA. Dans quel cadre, dans quelle dynamique ça a entré au niveau de la police pour gagner de changements comme ça? Avant nous dire exactement dans quelle dynamique il est rentré, et permettre que nous disions, auditrices, auditeurs, que dans toute force de police au monde, cadre d'intervention, toute force de police au monde, il est inscrit à travers action deux grandes branches et dans la police là à poser. Il y a une branche qui occupe essentiellement de la police administrative et qui occupe de prévention, crime et qui occupe de l'ordre public et tranquillité publique. Et c'est direction centrale police administrative et qui occupe de ça. Et quand prévention et direction centrale police administrative là, échoué et il n'est pas anticipé suffisamment sur les agis et sur les actes criminels. Et donc, direction centrale police judiciaire là, il est intervenu. Donc, la police là, il est intervenu à travers police administrative et police judiciaire. Donc pendant un an, c'est dans le cadre de ça, inspecteur général Mario Aubergiste était intervenu sur l'espace public là avec Troukli. Et je dis à Jean-Doulan, changement ça arrivé fait. Il arrivé fait dans le cadre, côté n'importe et cadre dans la police là, et commandement capable d'estimer que le besoin expertise li dans un autre domaine. Et c'est pour ça, ouais, à chaque fois, il y a des mutations, il y a des changements de poste et qui fait dans la structure la police là, et que ces structures départementales, que ces structures centrales, et qu'il y a des changements qui fait dans eux. Donc, commandement la police a estimé ou t'as besoin d'expertise Mario Aubergiste dans l'autre et domaine et dans la police là, donc t'as besoin d'expertise Berson Soljour, commissaire divisionnaire, bien sûr, qui t'a joué rôle adjoint de direction centrale police administrative depuis quelques temps. Maintenant, il fait appel à lui pour lui occuper fonction ça et pour la renforcer et dispositif de prévention et à travers les 10 départements géographiques du pays et pour aller gérer et gestion foule et sur l'espace public là à travers tout pays. Donc voilà, c'est dans le cadre de ça, changement ça, l'interdit. Pour n'y a qui bon et commissaire Mario Aubergiste, lui-même. Mario Aubergiste, lui appelé dans le cabinet directeur général. Directeur central, police administrative, lui là pour occuper de la prévention de la criminalité à travers des équipes de prévention qui est en place et de plusieurs unités spécialisées, tant qu'au CIMO, tant qu'au Polyfont et tant qu'au Boy qui a occupé de prévention et les structures. Les structures départementales, les structures de police, souvelées qui, à travers les commissariats et les sous-commissariats, et qui ont occupé de prévention, et de l'ordre et de la tranquillité publique, c'est direction centrale police administrative et qui occupé de fonctions. Par exemple, l'autre changement qui fait au niveau commandement, dans le moment où on a parlé? Au moment où on a parlé là, au minute où on a parlé là, c'est changement ça qui fait. Et si tu as gagné et minute qui a venu là, on a toujours qu'à informer l'opinion publique là. 20 septembre 2020, ça pral fait 262 ans depuis gros garçon ça te prend naissance sous bout de terre ça. En pile gros historien dit c'est dans grande rivière du Nord dans section Cornier
et dans une zone yo dit qui c'est habitation vieille caille. Fait dans esclavage, les batailles et les bonnes têtes, ça, malheureusement, n'a pas gagoté journée aujourd'hui. CEDEC, qui est le centre de développement communautaire, qui pral fêté 24e anniversaire, 13 janvier 2021 à Cap-Vina, dans la bataille l'a mené ensemble avec une bonne autre organisation. Causerin, CSH, FADRIS, UTGN, MPSH, AFO, et yon latrier l'autre que nous te cassité. Nous associons nous avec Fondation Félicité que Madame Baïna Bello a dirigé et qui a fêté fête ça. Depuis 20 années, et année ça a fait 21e édition, que l'a demandé yon seul bagaille. Pour nous suspendre, pomper sous cadavre Papa Nation, chaque 17 octobre, nous avons fait Koudia et Bamboche, parce que nous étions contents de être assassinés. Il a gagné 21 ans, il a gagné là. Depuis institutionnellement, l'a demandé ça. Nous-mêmes, nous avons 3 ans, nous avons demandé ça. Et nous avons continué à demander ça encore. Pour nous décréter le jour 20 septembre comme jour réconciliation et unité nationale. Parce que la nation a déchiré division dans tout secteur. Sont question de Pambi. Bon. Des Alines ont mouru parce que. De Saline Batmourenol était assassiné parce qu'elle te dit faut que tout le monde là-dedans. Qu'il y a une portion de monde qui te dit non, faut que tout esclave tourne dans le champ. Et tout bien que sous terre, ça, c'est pour nous. C'est même bagaille là, nous, qui a gagné journée aujourd'hui. Dans le pays d'Haïti, il y a un petit groupe de monde qui pensait que c'est eux-mêmes seuls qui ont tout droit, tout bien. Qui est sous terre, ça c'est pour yo. Majorité population n'a pas de joindre rien. Yo doit rester tant qu'au temps de l'esclavage. Côté, yo met travail, mais c'est grand nègre qui doit joindre tout privilège. C'est gros chef qui doit joindre tout privilège. Malheureux, pas de joindre rien. Yo pas de joindre soins de santé. Yo pas de joindre l'école. Yo pas de joindre sécurité. Il n'y a pas de jeunes de l'eau pour vous boire. Il n'y a pas de jeunes de bon caille pour vous arrêter. C'est pour ça que vous êtes assassiné des Salines. Et nous-mêmes, qui travaillons, qui bataillons pour restaurer l'idéal des Saliniens, nous disons que tout Haïtien, quelle que soit couleur, quelle que soit classe sociale, quelle que soit formation, nous devons approprier nous de l'idéal des Saliniens. Parce que l'aile fondation, ça, l'idée dit, ça, c'était de liberté. Quel que soit côté où on a vivre dans le monde, là, ou senti ou en esclavage, ou mettre vin là, de vous piler bout de ça au libre. Et c'est ça que fait Haïti, c'était la liberté. Nous-mêmes, nous lançons la question aujourd'hui, nous avons commencé à faire activité. Et n'a pas tant de décision autorité. Oui, n'a pas tant de décision autorité pour yo prendre des dispositions légales pour effectivement yo rendre jour ça, yo jour côté tout haïtien à célébrer la vie pour nous suspendre bambocher sous la mort. Nous connaît premier crime politique qui fait dans pays ça. Sous bout de terre ça, c'est assassinat Jean-Jacques Dessalines, qui c'est Papa Nation, depuis 17 octobre 1806. Là où fin fait ça, criminels ont tellement senti à l'aise, ils ont fait nous faire 40 l'année, nous pas jamais qu'à citer non, Mounsak, des batailles qui te ban nous, t'es ça pour nous vivre là.
Là où fin fait ça, il y a des monde qui gagne garçon canson qui dit non. Faut nous commencer à parler de Dessalines. Et yo parler de Dessalines. Mais n'a pas gardé tout ça qui symbolise Dessalines vassalisé. Pour qui ça? Mais chaque département pays a pas un gros lycée qui porte nom Jean-Jacques Dessalines. Même dans l'ouest là. J'ai lycée Jean-Jacques Dessalines, il était notre petit bagaille, l'écraser, yo pas jamais fait depuis 12 janvier 2010. Lycée Jacques Premier qui croit des bouquets, yo fait façade là devant derrière. Y a marché sous cadavre Dessalines, y a marché comment on pral mandé pour l'autre pays respecter ou pour l'autre peuple respecter pendant qu'on pas respecter papa ou on pas respecter koto soti. C'est ça que fait nous dit. Yo peuple existait, l'elle commencer capitaliser sous passé li. Pour le cas comprendre présent puis bien et jouer des outils pour construire demain. Pour le faire ça, faut que l'arrivée maîtriser espace temps. Qui c'est paramètre qui déterminer qui gens li va régler gestion générale espace territorial li a. Nous-mêmes nous lancer bataille là. Nous mandé la presse aider nous pote chay là. Parce que gen moun ki pa comprenn bataille de Saline. Gen moun nan tout sa y a fait, y a cherché yon l'autre fois encore marginaliser de Saline. Nan pays d'Haïti, pa gen deux groupes petits. Un seul groupe petit et toutes ces petites de Saline. Pa gen petite Pétion, petite Rigaud, petite Capois, petite Christophe. Non, tout haïtien, quel que soit couleur, il c'est petite Dessalines parce que son seul papa nation ça a gagné. Nation ça a pas gagné deux papas. Faut nous camper à division ça yo. Yo pas mener nous aucun côté. Au contraire, yo fait nous vivre dans crasse, dans misère, dans la honte et c'est cri ça nous lancer et c'est cri ça nous demander pour tout haïtien approprier, pas quitter nous prenant j'aime division, cap zige petit en haut, petit en bas. Non, nous toutes ces petites Dessalines. De pour gagner conscience que c'est haïtien ou c'est petite Dessalines. C'est ça que fait jusqu'à présent gagner un seul hymne national. Et c'est la Dessalinienne. International de égalité salariale. L'année dernière, l'ONU, lors de 75e conférence réelle, a décrété que le 18 septembre, c'est la journée internationale égalité salariale. Et jeudi, en Haïti, on a célébré la première journée internationale. L'activité s'est faite sous bannière Sot Kaizen en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement NUD Haïti, qui est partenaire privilégié. Nous. Et activité ça, c'est dernière activité qui a clôturé une campagne de sensibilisation qui était faite, qui était commencée depuis 24 août, qui relait même cob sous même pour même cob pour même poste. Nous capables en pile sur réseaux sociaux, en pile monde qui connu en Haïti, qui était fait des photos à, pour t'es capable engager monde sous question ça, pour capable ouvrir débat sous question égalité salariale là. Est-ce que l'existait en Haïti? Qui côté l'y existait? Est-ce que l'existait dans le secteur privé? Est-ce qu'elle même existait dans le secteur public? Et aujourd'hui, nous faisons matinée de réflexion ensemble côté représentant tout secteur public, privé, ONG, organisation, agence gouvernementale, agence aussi des Nations Unies. Ils mettent ensemble, ils réfléchissent sous qui ça nous capable faire? Est-ce que l'inégalité salariale existe en Haïti, dans tout l'autre pays? Qui sont nous capables de remédier à ça et qui piste de solutions qui gagnent pour nous capables d'avancer vers un monde qui est plus égalitaire, vers un environnement des structures de travail qui est plus égalitaire? Nous sommes capables de dire que l'inégalité salariale, là, c'est un fait de discrimination qui existait entre filles avec garçons. Et même gens avec toute discrimination, nous connaissons les commencer par rapport à gens qui levé moun à stéréotypes qui existaient dans la société. Et stéréotypes ça que nous a gagné depuis l'heure que nous avons levé, viennent répercuter sur toute structure, sur toute la vie moun yo. C'est même gens capable de dire que structure de travail, structure organisationnelle, ils étaient conçus
pour et par des hommes. Yo pas construit pour te recevoir, yo pas la vie fille à vivre. Donc kounya question c'est qui jeune pour nous adapter structure ça pour capable recevoir fille dans toute dimension yo pour capable permettre que fille yo même yo évoluer parce que nous connaît la vie fille pas évoluer même genre avec la vie garçon, il y a des différences qui existaient que naturellement et différence ça c'est raison qui fait que faut que nous prenions du temps pour nous réfléchir ensemble pour nous créer pour nous produit des stratégies et mettez sur place des plans d'action qui sont capables d'adapter à la vie femme. Et pas seulement la vie femme, mais toute la vie fille en Haïti. Ça, c'est un bagage qui est très important. Et avec COVID-19, là, il y a un autre ajout qui est ajouté et nous sommes capables de dire que c'est une opportunité liée parce que j'ai mon travail changé dans le monde. Et il y a une opportunité, le fait que nous adaptons à nouvelle normalité, ça, pour nous capables d'intégrer plus femmes sur le marché du travail. Parce que l'économie, Haïti et croissance Haïti pas qu'a fait si que croissance plus que la moitié de la population croissance économique plus que la moitié de la population pas assuré et un élément capable assurer croissance ça c'est même corps pour même poste ko c'est fille ko c'est garçon pour nous sortir dans même corps pour même poste faut que nous garder tout processus là, toute chaîne là. Que ce soit au niveau de recrutement que ce soit au niveau de stratégie et entreprise yo stratégie institution yo pour capable faire rétention de talent pour capable et stratégie de performance entreprise dans tout que ce soit une stratégie de ressources humaines entreprise dans, ou bien que nous pour aller plus loin au niveau de régulation qui genre et pays à loi qui existe régulation qui existe autour de travail mais tout faut que nous pas oublier que et syndicats de travailleurs qui existent tout faut que nous intégrer association ça pour c'est en réflexion collective qui fait par rapport à ça nous quand dit égalité salariale là c'est pas un élément qui isolé mais il rentre dans ça que nous relé diversité de genre qui gagne la donne égalité salariale qui gagne la donne tout le fait que mesdames yo pas cap et ça aurait les plafonds de verre côté mesdames yo pas cap vraiment assur taux de femmes qui dans position de leadership yo li vraiment réduit et qui gagne tout la donne et stratégie de formation pour entreprise qui gagne plusieurs éléments la donne donc nous capable dire que c'est on travail qui pas qu'à fait de manière individuelle ou bien nous capable dire c'est on entreprise non c'est on travail systémique qui pour faire depuis sorti dans régulation rivé dans la vie même employé à la vie même travailleur travailleuse ce qui est sûr c'est que en Haïti régulation la loi établit égalité salariale la et avec tout politique égalité femmes hommes gain depuis qu'il a depuis 2014 et cap durer jusqu'à 2034 nous capable dire gain des structures légales qui cap permettre que égalité salariale là au moins nous passer plusieurs cap même si structure ça même si bagaille ça au commander pour yo adapter à nouveau contexte qui vient exister mais nous capable dire que gon base légale qu'il a déjà et le fait tout que nous gain en pile organisation cap travail et dans le domaine du genre et nous capable dire que égalité femme homme c'est on et surtout égalité salariale là tout c'est on point transversal de ODD il toucher au moins 6 à 7 ODD donc nous pensons que gagner capable dire on structure qui là qui pour recevoir et pour accueillir pour permettre que égalité salariale là avancer au niveau légal nous capable dire au niveau tout de plan stratégique de développement li exister mais côté qui plus besoin support c'est par rapport à études dans le domaine ça par rapport à chiffres à données nous avons constaté que et pas gain vraiment des données sous égalité salariale et pas vraiment gagner des réflexions qui produisent sous égalité salariale en Haïti. C'est ça qui fait nous venir avec campagne ça et particulièrement avec journée ça pour nous montrer que son sujet qui méritait une réflexion et si n'a pas parlé de autonomisation économique des femmes, nous pas capable parler de égalité salariale parce que c'est un bagage qui important et qui fait partie intégrante pour ne pas dire que c'est un premier élément autonomisation économique des femmes qui s'est revenu. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babes à chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.